Aujourd'hui, nous allons parler du second degré qui se représente donc sous l'équation ax² plus bx plus c. Et donc, nous allons voir les discriminants et les solutions. Donc, le discriminant se calcule grâce à la formule donc b au carré moins 4ac. Une fois cette formule donc calculée, si delta est plus petit que 0, il n'y a pas de racine réelle. Si a est plus grand que 0, la parabole est comme ceci, et s'il est plus petit, comme cela. Ensuite, si delta est égal à 0, l'équation possède une racine réelle. Donc, on la calcule grâce à la formule moins b sur 2a. Et donc, on peut toujours remarquer en fonction du signe de a. Enfin, si delta est plus grand que 0, l'équation possède deux racines réelles. Pour les calculer, donc, ces deux racines réelles, on les appelle donc x1 et x2. La formule donc de x1 est moins b plus racine de delta sur 2a. Et la formule de x2 est moins b moins racine de delta sur 2a. On va maintenant faire un petit exemple. Donc, ici, on va essayer de résoudre x au carré moins 4x plus 4 égale 0. Donc alors, ici, a égale 1, b égale moins 4 et c égale 4. On va maintenant calculer le delta. Donc on remplace b, a et c par leurs valeurs. Donc ce qui nous donne moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 4, qui nous donne 0. Et donc, puisque delta est égal à 0, l'équation possède une racine réelle. Donc, on prend la formule donc xa égale moins b sur 2a. Donc ce qui nous donne 4 demi, ce qui nous donne 2. Et donc pour conclure, on marque ainsi S, donc solution, est égal à 2.